Ministre Justice et Sécurité publique, là, Jean-Roudi Ali, visité vendredi 13 juillet, à plusieurs entreprises qui étaient saccagées 6 à 7 juillet passé. Visite ça a gain pour objectif assurer entrepreneurs sous mesi qu'en prend pour garantir sécurité entreprise yo et puis informer yo sous travail la justice déjà en main dans cadre poursuite moun qui t'a impliqué dans zak sa yo. Ministre Justice et Sécurité publique l'a expliqué, la police déjà arrêté 101 individus dans cadre dossier ça. N'a qui te suivre plus explication dans micro Lunel Jean-Louis ak Bernard Marseille. Nous t'ai fait nous le devoir pour nous visiter entreprise ça yo, parler à entrepreneurs pour faire connaître que la justice a fait travail, la justice déterminée pour poursuivre monde qui auteur action ça yo. C'est pas seulement des exécutants mais monde qui des action ça yo tout. Nous connaissons la population haïtienne non, c'est une population qui pas violente, c'est pas population qui boulait, c'est pas population qui pillait. Mais c'est des bandits, nous avons dit carrément, qui pillaient, qui volaient à faire monde, qui dévastaient, qui détruisent bien les citoyens gagnants qui auraient dit pour le faire. Message là, c'est que nous voulons assurer entrepreneurs, nous voulons assurer monde qui victime yo, que la justice a fait travail, comme nous avons constaté déjà au niveau de une série de juridictions, par exemple à Port-au-Prince, il y a 101 personnes qui étaient arrêtées dans le cadre de dossier ça. Au niveau de la juridiction de la Croix des Bouquets, par exemple, il y a 22 personnes qui ont arrêté. Et même au niveau de Port-des-Pères, il y a près de 7 personnes qui ont arrêté, personnes qui participaient dans le pillage, qui participaient dans le vol à faire monde pendant la situation. Ça. Nous sommes capables d'assurer tout le monde. Tout. La justice a fait travail, il y a tout le monde qui est impliqué dans l'action. Ce n'est pas exécutant, monde ou TOS sous place, seulement, mais auteur, co-auteur, commanditaire, tout le monde qui participait. La justice a fait travail pour joindre le monde. Le commissaire gouvernement met l'action publique en mouvement pour permettre de joindre bandits qui participaient dans piller à faire monde, qui participaient dans détruire, qui participaient dans dévaster. D'ailleurs, le code pénal là prévoit infraction ça, sanctionner. Donc tout le monde qui a un problème, qui est impliqué dans la question voler à faire monde, question piller, question destruction, dévastation, bien monde. Dans le cas d'événement ça, il y a besoin avec la justice et m'assure que la justice a fait cours normal. Commission archidiocésaine justice ak la paix réalisé 16e journée porte ouverte contre violence vendredi 13 juillet sous thème combat de violence exiger en gouvernance pour construire respect droit ak dignité moun. Dans l'occasion, plusieurs responsables dans l'organisation ont plaidé pour droit tout citoyen dans le pays à respecter pendant qu'ils ont demandé pour gagner à disposition qui prend pour croire violence en dedans pays. Secrétaire général Jules Lapla, Joël Joseph ak directrice exécutive la Jocelyne Colanoël, tenant micro, Heurtelou, Marie Dieudonne. Dans l'occasion, la commission a partagé, réfléchionné, observation, donné, gagné sur la réalité violence et criminalité dans la zone métropolitaine et spécialement. Donc c'est ça qu'a fait là, nous pas de faire le 11 juillet, mais nous faisons le jeudi et pour capable partager information. Depuis l'année 2002, la commission a choisi de faire observation violence et violation de droits humains comme un axe travail. Malgré toute dénonciation, tout plaidoyer, la commission a constaté que la violence l'a vu tourner un cancer qui a détruit le pays. La commission a demandé 1. L'État a dû prendre responsabilité pour dédommager tout le monde qui est victime. Sans li pa bliye ti machan yo, dwe gen bon jan programme social pour soulager misè pèp la. La justice dwe garanti respect droit moun nan société.
Toujours sous même dossier, collectif Défense Plis présenté vendredi 13 juillet, rapport bilan sous situation droit moun nan pays pour 6 derniers mois sa yo. Co-directeur exécutif Défense Plis là Antonal Mortimer dit li déploré zak violence, pillage à crasé brisé qui fait pendant week-end passé nan Port-au-Prince. Nan sans ça, collectif Défense Plis fait plusieurs recommandations. N'a kito suiv yon extrait nan micro 5-3 paquet. Son rapport qui gagne 6 points. Premier point, passe en revue droit civil et politique. Yo, côté nous parler des fonctionnements du système judiciaire là, et nous passer en revue fonctionnement tribunal. Yo, problème lenteur qui gagne, irresponsabilité et certaines autorités dans le système. Là, question de détention préventive prolongée, influence pouvoir politique yo, sur pouvoir judiciaire et manque de confiance population ou bien population qui a perdu confiance dans le système judiciaire là, et qui lui-même tout à plonger avec phénomène impunité à corruption. Nous faisons état tout de CSPJ comme organe d'administration et de contrôle pour judiciaire là, changement qui sont fait la donne, même les changements ça a fait CSPJ a vienne pas cadré à constitution parce qu'il constitue essentiellement des hommes pas gain femmes, alors que tentative constitution amendée dit pour gain 30% femmes dans chaque espace de décision. Et pour droit social et économique, bon, là, lui-même, nous pas même besoin de faire étalage sur ça. Ça qui est passé dans le pays en date 6, 7 à 8 juillet, lui montrer comment niveau situation économique population a dégradé. Mais nous pensons que c'est intéressant pour la population continuer à faire tant de voile, sans ne pas obliger de faire pillage, sans ne pas obliger d'agresser les gens ou bien faire acte vandalisme ou bien les gens. Défenseur plus côté pâle, pensez que la situation a changé. Si chaque autorité joue le rôle qu'elle suppose jouer pour le changement qu'elle a fait. C'est pour ça que Défenseur Plus fait quelques recommandations à l'autorité qui concerne. Pour suspendre violer les droits de la population. Pour renforcer le contrôle du système de justice. Pour libérer le système de justice de pression politique et chantage économique. Et établir vraiment un état de droit dans le pays. Prend bon genre initiative pour faire disparaître misère dans quartier populaire pour nous suspendre exploitation gang ak zam. Désarmer tout le monde qui gen zam illégal dans pays ya. Pi bien équipé police nationale, faire appliquer texte royal et punir tout le monde qui pensait que yo gen droit pour yo passer de yo. Développer une stratégie pour améliorer l'agriculture pays ya et mettre un système irrigation pour de l'eau disponible pour agriculture. Président Jovenel Moïse a consulté tout secteur en vie nationale là et en façon pour mettre camper un premier ministre qui capable de rassembler tout petit pays selon porte-parole la présidence là Martine Denis Chandler. Et l'autre bord porte-parole a souligné chef l'État engagé pour continuer travail dans l'idée pour améliorer conditions la vie population. Martine Denis Chandler a participé matin dans émission mise au point sous TNH. La présidence a fait un pile rencontre, notamment avec les leaders parlementaires, le président de chambre des députés, le président de chambre du Sénat, Monsieur Kantavtou, que l'on a rencontré. Il a rencontré des membres du secteur formel, du secteur privé, des membres du secteur informel. Il a rencontré partis politiques, il a rencontré Basile dans le PHTK, il a rencontré Core Group, c'est-à-dire la communauté internationale. Donc, effectivement, la présidence là paraît indifférent, loin de là, à situation. Et tout avec sa situation, te vle di. Situation, te vle di ki sa. Situation, vle di que gon besoin d'accélération de changement dans le pays. Gon besoin d'accélération de nouveautés dans le pays. Il est un fait que président Jovenel Moïse te toujours accordé respect à confiance li à Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Mais j'en connais, il y a des situations dans le pays qui méritaient des nouveautés, qui méritaient des changements. Mais ce n'est pas au président Jovenel Moïse en tant que tel pour te décider ou pas Jean la loi pays nous en dit si pour premier ministre était ou pas été mais il quittait justement processus normal là fait et qui aboutit justement à démission premier ministre là. C'était explication porte-parole la présidence là Martine Denis Chandler.
Sénateur Nord-Ouest là, Kedley Augustin, salué démission Premier ministre Jacques Guy Lafontaine samedi qui saute passé. Président Bloc majorité a estimé décision ça c'est un pas dans bonne direction. Parlementaire encouragé président République là pour mener bon genre consultation dans l'idée pour choisir avant longtemps un nouveau Premier ministre. L'autre dossier responsable MNFPO week-end passé a remet environ une centaine lettres à enseignants NIP qui tap travail sans document ça directeur départemental NIP éducation mandé enseignant qui pour rejoindre payo prend patience une action qui fait enseignant yo content Amiam Loiseau depuis Miragouane. Gen action qui commence à poser dans niveau ministère éducation nationale précisément direction départementale Niplan pour résoudre divers problèmes qui ont paralysé fonctionnement l'école là dans mitan année académique yo dans une cérémonie qui déroulé week-end passé à responsable ministère éducation nationale yo remettre environ une centaine lettres travail à enseignants qui gagne plusieurs années à travail dans système là sans personne pas de bayo aucun couverti. Professeur Odel Joseph, directeur départemental NIP Éducation, fait ancien reconnaît responsable MENFPO, fait confiance pour Baïti Mounio, bonjour éducation. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en vous livrant votre lettre aujourd'hui, veut continuer à placer sa confiance en vous pour la formation de nos enfants. C'est quand même un privilège et une grande responsabilité de votre part. Je vous rappelle la pensée d'un pédagogue américain qui soutient, et je cite, « L'enseignement est un métier magnifique qui apporte de multiples satisfactions, mais il est difficile et exigeant et peut détruire à la fois l'enseignant et l'enseigné lorsqu'il est médiocrement exercé. » Professeur Odel Joseph, directeur départemental éducation, montre le content et mandé l'autre enseignant qui peut recevoir l'aide payo, prend patience puisque gain effort cap fait pour bayo satisfaction. C'est en présence président commission éducation chambre sénat cérémonie ça déroulé. Sénateur Denis Cado, même Jean avec directeur départemental là, mandé enseignant qui peut recevoir l'aide yo était tête frette en attendant yo joindre ni. Enseignant sous bo payo montrer yo content et promettre pour al continuer et travail pour progrès système éducatif là. Anne Myriam Loiseau, Métropole NIP Miragouane pour TNH. Adresse li fait ak nation an samedi 14 juillet passé a président République la Jovenel Moïse prend engagement pour continuer consultation à tout secteur dans vie nationale là dans l'idée pour choisir un premier ministre qui capable rassembler tout petit pays a. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine annoncé li remettre président République la Jovenel Moïse démission pendant séance interpellation chambre député a samedi 14 juillet passé a. Et bien voilà, journal arrivé dans Boutli. Un gros merci à vous-même qui t'a suivi, journal ça. Nous invitons à rester branchés pour suivre cette programmation. Bonne semaine tout le monde.